Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, nous allons changer des animaux en vers à pied. Comme ceci. Un, deux, trois, ferraverto. À vous maintenant. Alors, qui veut commencer? Ah, monsieur Weasley. Un, deux, trois, ferraverto. Ferraverto. Il faut remplacer cette baguette, monsieur Weasley. Oui, Miss Granger? Professeur, pourriez-vous nous parler un peu de la Chambre des Secrets? Très bien. Vous savez tous, bien sûr, que Poudlard a été fondé il y a maintenant plus de 1000 ans par les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. 3 de ces fondateurs travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Pas le 4e. Devine lequel ? Salazar Serpentard voulait qu'on soit plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux seules familles de sorciers, autrement dit, au sang pur. N'ayant pu faire fléchir les autres, il décida de quitter l'école. Maintenant, d'après la légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans ce château, connue sous le nom de Chambre des Secrets. Après quoi, peu avant son départ, il aurait scellé l'entrée jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à Poudlard. Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Ceci dans le but d'éliminer de l'école tous ceux qui, selon Serpentard, ne seraient pas dignes d'étudier la magie. Les enfants des Moldus? L'école a été fouillée de très nombreuses fois, évidemment. Aucune chambre de cette sorte n'a été découverte. Professeur, selon la légende, qu'est-ce qu'il y a dans la Chambre des Secrets? Eh bien, la chambre renfermerait quelque chose que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler. La légende dit qu'elle serait habitée par un monstre.